dîner dans un petit village canon, pas du tout comme un, bien sûr, entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et des frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard les mêmes tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'été. Du matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre, l'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, censée la pas et s'écrouver, et puis pouvoir essayer donc sans fric de remplir 5 lardons. Pour parfaire mon éducation, y'a la commune à l'embêtant, là on fait de la pédagogie devant 60 mots en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul, et puis sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'être né. À 15 ans fini la belle vie, t'es plus un monde, t'es plus un petit, je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé, pour le monde on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'être né. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps, on s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une mégenfante qui voyoute la vie sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. Bien sûr, la maison poulaillard m'agrippe à mon premier coup pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut les mots pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe pour escabili mitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'être né. Quand on meurt là, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une bébé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé à leur balancer des pavés. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Je peux pas bien dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est croisant. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'être né. En tout, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais, et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit